déception après toute honte, la police a fini prendre mes populations tellement yo critiqué yo pour question bandi ça que nèg yo pas ka mettre l'ordre dans désordre yo. Et bien la police levé campé, la police frappé pied à terre, la police énervé et nèg yo décidé faut que yo bay population espoir, faut que yo bay population yon sourire sous visage yo, faut que yo fait que peuple a content et laisser yo même qui l'état qui doit qui contrôle yon pays qui doit qui contrôle tout le monde. Et bien pour population a passé misère a victime en bas mais bandi comme ça la police l'a décidé lever pied ou nous parler vite au guide des détails avec porte-parole la police a Gary Desrosiers qui porte tout dernier et bien bilan et donc sous quantité bandi que la police mettait en bas code et opération qui est pour faire tout même si des bagages qui pas dévoilé mais nous connaît la police l'a décidé fois ça faut qu'on éliminer question bandi dans pays a. Quand il s'agit de ville locale, et bien commissaire Miskane là, environ deux bandits, tête yo pété, nèg sa yo t'a tenté voler en machine, et bien commissaire qui était déjà sur les lieux, te suspect nèg sa yo et pété balle sous nèg yo et monsieur Sémanté, et puis c'est dans le 2-3h du matin le croison nèg dans la rue ou pas ka bay détail, et bien wap en bas code si c'est mouri pour mouri, wap mouri, et bien nous connaît Miskane si on nèg qui pas jouer, si on nèg qui pas dans question grien dans ak bandi, si on nèg qui va piler en ek fret quand il s'agit de mettre l'autre dans des autres vagabonds, nèg sa pas manger en rien qui fret mesdames et messieurs. Nous allez vite au tout détail en dans vidéo ça pas oublier ou sous TV la caille si vous poko abonné avec canal ça c'est grand moment pour faire kounia même pendant vous suivre vidéo ça yon façon pour pas rater information n'a porter pour sous ça qui a déroulé dans pays d'Haïti mesdames et messieurs restez connectés n'a tourner dans moment et est-ce qu'il y a été avec si vous êtes deux vous faites confiance comme c'est Michel qui va négocier avec vous. Hier soir, nous connaissons qui à l'heure, depuis quoi j'ai eu à l'heure, il y a mouru. Il fait la réponse. C'est assassiné. Qui pense que c'est perturbé la ville là, il y a mouru. D'accord, commissaire, nous connaissons hier soir qui est rempli de cartes qui sont dans la ville là. Est-ce que vous pouvez ça? Oui, et aux environs de 2h30 du matin, et tout le cas, c'est depuis le délégué Samuel Bonheur, il y a des individus qui ont tenté de casser le dépôt dans la ville là. Et le moment d'apparaître à distance, et nous fait feu sur les lieux. Ok. Est-ce que nous avons mouru ou... Ah, bon, bon ça c'est sur des années. Bon, ça a été pour nous, pas clair. D'accord, nous connaissons que hier soir, il y a eu des machines qui sont cadjacques. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, effectivement, oui, il y a une machine du côté de l'entrée de mon SIAC. Là, bon, c'est une machine qui n'est pas qu'elle boit la rue. Et nous, individus, débarqués, ouvrez votre machine, là, assurez-vous que vous avez. Des fois, la machine dépasse avec lui. Bon, quand même, nous finissons par une machine là du côté de Chalon. Mais quand même, nous avons une légère télé. Si nous avons une machine, pas bon, parce que quand il travaille là-dedans, pour gérer, pour qu'il n'y ait pas fait de double clair. Parce que les gens qui font ça, c'est parce qu'il y a une double clair. On parle de son volume aussi, mais comme vous comprenez, et nous avons une machine là, il n'y a pas casé vite, il n'y a pas casé rien, nous ouvrons pas de lui, de cette machine. Il est passé avec nous. Donc, on légèreté ou on peut lui mettre la machine là qui fait que ça arrive. Qu'est-ce que tu vas faire ça? Et il n'a pas poursuivi le bandit. 1h du matin, 2h du matin, depuis qu'il y a un bandit, ça a assassiné, il fait confiance. Maman, papa, le frère seul, un bon matin, il va chercher de la lune. Comment ça nous peut apprendre que Kébé, un jeune garçon, il t'a parlé, mais les vidéos nouvelles sur les réseaux sociaux qui fait un peu le bon. Et il t'a parlé. Comment c'est ça? Et de ça, monsieur, dis-le même. Il n'a pas travaillé derrière sur lui. Si ça, tu suis pour rien, monsieur Yves Chalon, monsieur Yves Mon et mort. Voilà ce qu'il y a. Automatiquement, deux semaines en barrage, deux autres négatifs en barrage, la petite machine. Chauffeur Samuel, vous m'arrêtez. Donc, tout le monde a déposé des clients, des passagers, des téléphones, valises, de toutes les baguettes. Par contre, arrivé, Miragouane, il n'est pas appréhendé, monsieur, bon, monsieur Damien. Mais faites confiance, et bon, monsieur Damien. Il y a un bandit, un volet, qui a rentré dans le département. Il y a mouru. Gagné plusieurs communes voisines de circonscription, là, soit l'asile, en Savo, qui gagne pile des zones qui a fait qu'il est sa vie pour la population. Pour elle. Depuis que nous avons eu l'heure, il y a eu des gars qui ont débarqué. Ils ont connu les débarqués. Ils ont eu moyen pour ça. Mais il va dans la justice. Il va venir dans la justice. Depuis que c'est Brésil, c'est assassiné. Depuis que nous avons fait confiance, il va tourner vivant. Mon message pour vous. Il a mouru. Depuis que vous venez, il a mouru. Bonsoir, réponse à tout auditeur et auditrice de Radio Méga. Et son plaisir pour que nous parlions avec vous. Et même le fait que
et nous pas prêtons à arrêter parce que nous avons toutes activités que nous avons à faire actuellement dans la parole. Et puis je dis à ces vendredis, je ne sais pas si mon porte-parole dans les ne dis pas ça. D'accord, ça c'est une blague pas nous. Alors, bon, juste, Mando, ça, moi, la police là, définitivement, li décide tout bon, mais t'es pilaté. Et nous toujours dit ça, et suite à la dernière conférence que le commandant-chef de la police là, et Baye, et M. François Lbé, côté que, il était dit que la police là, et redoublé l'effort, et plus détermination, et plus volonté, et pour que nous sommes capables de permettre à la population, hein, et là, on souffre pour ceux qui ont gagné longtemps. Il y a bandit et a pensé justement en tête de capable faire la loi dans son lieu. Et la population tout souffre de ça. Et nous avons voir la population hein, et la police, c'est beaucoup de Paris, en fonction de moyens, qui a fait tout ça incapable avec bien sûr la population hein, pour nous permettre que nous soyons capables de faire librement dans notre zone. Il y a plusieurs opérations menées, il y a des tentatives de kidnapping déjouées. Qui s'habille là, porte-parole? Hier, il y a pratiquement deux tentatives de la police qui échouaient. Et suite à arriver la police, il y a trois armes qui étaient saisies. Là, c'est des mémoires, on va partager avec vous. Et il y a pour plus petit 6 mois qui étaient arrêté. Dans le cadre d'un kidnapping qui était fait dans la localité Pétionville, qui est lié, et c'est pas divisé, non, ah oui. Mais ils vont nous consacrer. Mais vers Tioma et ça, oui. Exactement. Et puis, l'opération est menée dans toute zone Zaïo par le commissaire Pétionville, qui est tout au niveau quoi des bouquets, et je nous dis hein, que nous étant opération dans toute zone Zaïo, que ce soit quoi des bouquets, que ce soit Peigné, et toute zone côté que de bandits, pensez que vous êtes capable de faire la loi, capable d'empêcher la population paisible et vaquer librement l'activité. Qui ça dossier, souvelé chef bandit, chef des bandes, et tout au cas, il y a dossier vide l'homme dans ça lié pour la police? Bon, la police même est sous plusieurs terrains, et j'en doute, et surtout que Capli a depuis bien des semaines, bien des mois dans un ça. Et l'objectif là, c'est permettre que Mounio fasse équilibrer l'activité pour la population, hein, jeune qui est dans une zone là, capable d'activité, que Mounio et pour que l'école, la vie, retourne normalement dans une zone dans le temps. Ok. Dossier quoi des bouquets, tentative de kidnapping qui dévié, qui déjoué, et est-ce que la police là, il a arrêté? Est-ce qu'il y a des gens qui stoppent dans l'échange? Qui s'allie? Capital coach là et heureusement, nous avons la police est arrivée et récupérer et rejoindre et puis récupérer. Okay. Et heureusement, nous avons pas de tête à la pratiquement quand on a kidnappé. Okay. Mais la police est arrivée à temps, il y a 18, dont 9 filles avec 1 bébé 1 an. Heureusement que nous arrivons et nous avons procédé à la libération. Yo. Également, et l'autre kidnapping qui était fait sur un jeune garçon, côté que il était même témoigné tout, côté que nous arrivons à libérer le niveau et commissaire à Pétionville. Et c'est là qu'il y a 6 mois pour petit carité. L'intervention a continué. Je crois qu'il y a deux présumés bandits qui est malheureusement blessé mortellement. Malheureusement, il est tombé mortellement, il est blessé mortellement. Moi, mais la police utilise cet item ça. Mais avant ça, tu as l'autre compagnie, il a été kidnappé, tu as gagné des citoyens étrangers. Est-ce que Mounsa a toujours dans un groupe gang ça? Ou bien la police là, l'a fait tout ça le capable pour Mounsa a joué une libération? Yo? Chaque police a dévalué ça, n'a pas tenu et n'a pas question ça. Okay, d'accord. C'est général, la police là, lui-même, l'a travaillé sur ça. Mais, on y a un moment, une grosse question me pose là. Bon média en ligne, son média au suivant pile, c'est Haïti 24. Vous gardez la parole. Qui font un tweet là et dit selon source bien informée, la police nationale d'Haïti, à travers la direction centrale police judiciaire DCPJ, ils ont arrêté 10 agents de sécurité, l'ONA, qui est allié à Gang 400 Marozo.
m'a cité Haïti 24. Moi, j'ai eu un contact avec le responsable au niveau de la CPJ. Il a dit non. Mais tu as deux arrestations qui ont été faites dans les quatre dossiers qui ont été tapés. Je crois que ça peut être ça fait deux ou trois semaines. C'est pour détention illégale. Mais à savoir que le CPJ a été mon 10 employés l'UNA et pour kidnapping. Et c'est faux. A dit pas gagné. Pas gagné employé et agent sécurité l'ONA qui a arrêté pour kidnapping. Et jusqu'à présent, on n'a pas la voix là. Toutes les informations que j'ai gagnées concernant les structures, et je parle avec l'autorité responsable, disons, au niveau de CPGO, non. Jusqu'à présent, non. Mais pas gagné la police arrêté même tout dans l'ONA. Et moi, tout ça, il y a deux ou bien trois semaines, où il y a deux arrestations qui ont été faites dans le cadre des tensions illégales, ça, on va comme ça. Qui était un dossier quelconque. Mais ce n'est pas une question de kidnapping. 10, à savoir 10 kidnappings, actualité choix. Et ça veut dire. Oui. Et sous toile de fond, non. Oui. La DCPJ pas de moun sa ou nan men. Non, 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 non. Ok. Mais quand Haïti joue une nouvelle ça. Bon, vous connaissez que nous-mêmes, nous papes, nous, la presse et tout le monde, nous, c'est pas retenu à nous louer. Non, parce que Guillaume, son exemple, Guillaume. Nous, papa, l'interpréter et aux informations dont on structure, bah, mais nous, là, pour nous dire, et comme nous citons non, nous, comme nous disait des CPJ, nous, en mesure pour nous, dire, c'est pas vrai. Haïti 24, son média, me fait un peu de confiance, oui, porte-parole. Et je crois que sans que nous ne parler que soit le monopole de vérité, soit l'autre monopole de vérité, je crois que moi assez bien vu et pour que moi réponde. Ça veut dire la police n'a pas arrêté l'agent de sécurité l'ONA pour kidnapping. Et à savoir 10 personnes qui ont arrêté, qui ont dit qu'ils ont arrêté sur l'information que nous avons circulé, non. Merci un peu le gars de Rosier. Voilà, Gary Desrosiers, c'est porte-parole police nationale là. Donc c'est avec lui nous tapé Fonti Boukanté. Mais c'est sous ça, oui, spécialement me besoin parler avec Gary. C'est parce que mais je me souhaite vérifier sur site Haïti 24, je me souhaite vérifier là sur site Haïti 24 là. Jusqu'à présent, il y a beaucoup de délais d'articles qui sous site là. Donc, OK. Mais là, nous avons pas de Paul PNH qui dit nous non, c'est pas vrai, c'est menti, ça qui est rapporté, hein, ok? C'est vrai, selon les informations que le CPJ rapporte,